Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour vous proposer un nouveau numéro de Seasons Hebdo, une émission consacrée à la chasse en plein cœur de la forêt de Troncée, l'occasion pour nous de vous proposer un week-end de vénerie. Et pour commencer, on se trouve ici pour chasser le sanglier. On va donc parler de vautré, le vautré de Banassa. Messieurs, merci de nous accueillir. Alors ce matin, je parlais de vautré, on va parler donc de chasse du sanglier. Ça fait combien de temps que l'équipage de Banassa existe ? 73. 73 ? Et il s'appelait le Rallye du Bousquet. C'était pas Banassa à l'époque ? C'était pas Banassa, c'était le Rallye du Bousquet. Et après, on a déménagé en 89 dans l'Allier, un lieu dit qui s'appelait Banassa. Et à partir de quoi, on a créé le vautré de Banassa. Voilà. Qui étaient les mêmes chiens que le Rallye du Bousquet, ça a suivi. On a changé de nom, c'est tout. Hein. Bon, et puis vous le verrez, ça sera aussi l'occasion pour nous de chasser le lièvre, puisqu'on partira cette fois-ci avec le rallye sans le sou, ou encore les cerfs vidés, le cerf, avec cette fois-ci le rallye Le Mans et Madame d'Ormesson. Alors là, ce matin, premier rond. 7h30, vallée de Limier. On a distribué les quêtes, hein, préparation des chevaux, triage des chiens, rapport à 9h30. Bon, alors donc là on va préparer les chevaux. Donc on va déjà faire la visite des écuries. Eh bien je vous suis. Et bien on est parti. Ah et ça c'est tout neuf, c'est magnifique. Et là, alors ces écuries, oh, c'est magnifique. Ça a été créé il n'y a pas très très longtemps finalement. Ça a 5 ans. Ah c'est superbe. Et là, alors il y a à peu près combien de chevaux ? On a 30 chevaux. En général c'est tous des trotteurs qui viennent de notre fournisseur national de la vénerie, qui est M. Cornet, que tout le monde connaît. Et puis, on a là-dedans, on a 5-6 chevaux de bouton aussi qui sont à l'écurie. Alors, c'est quoi les qualités requises pour un bon cheval de chasse à cours ? En règle générale, ils sont mis. Quand ils sont calmes, ils sont bien montés et ils sont très, très vite mis à la chasse. Ils sont moins près du sang et au niveau du prix aussi. C'est pour ça qu'en règle générale, on a opté pour les trotteurs. Ça vaut combien à peu près un cheval, justement, un bon cheval de vénerie ? Ça n'a pas de prix. Ça vaut entre 1500 et 2000 euros. Voilà le chenil. Alors ça, c'est tout neuf. C'est encore plus neuf que les écuries. Oui. Ça, c'est ceux qui vont chasser aujourd'hui ? Non, demain. Ça, c'est ceux de demain et ceux qui chassent c'est aujourd'hui. C'est le voisin. Regardez ça, c'est magnifique. Alors, quelle race ? Et racontez-nous un petit peu l'histoire depuis 73 du vautré. Oui, on ne va pas commencer avant parce que ça serait long. On va parler de 73 où j'ai eu la chance d'avoir, d'hériter de quelques poitevins. Et on a gardé les poitevins tout le temps. Sauf qu'au fil des années, on est obligé de faire de la retrempe. Et la retrempe ne se fait pas automatiquement par des poitevins. Il y a les purs poitevins qu'on présente en expo. Et puis alors après, il y a ce que j'appelle mes babous, qui sont dans les origines, faits avec du bon, plus le rapprocheur, pour avoir des qualités. Et en tous les cas, tout le monde chasse. Tout le monde chasse. Ah oui, mais les poitevins d'expo, ils chassent aussi. Hein. Allez, et aujourd'hui, on va sortir combien de chiens ? Alors aujourd'hui, on va sortir comme d'habitude. On découpe 80 chiens. On attaque avec 20 chiens, 20 rapprocheurs. On trie notre animal, et une fois que l'animal est trié, on met le prochain. On va rappeler qu'aujourd'hui, en forêt de Troncée, pour chasser, on a 10 000 hectares rien que pour nous. 10 000 hectares, tout à fait. Allez, on rapport. On y va ? Moi, j'avais pour quête le bas du Pélican et aucune connaissance. Monsieur Dame, bonjour, moi j'avais le buteau sans connaissance. Monsieur Dame, bonjour, moi j'avais pour quête les carrières. Au niveau du goudron, entre les carrières et le rond des brais, en connaissance de travail, d'animaux. On prendra les chevaux à Richebourg. Ouais, parce que ça fait. On va charger, les chevaux. Hein. Et on se retrouve à Richebourg, on partira de là-bas. Parce que ça fait bien 4 km. Ouais. On fait comme ça ? Allez. Allez, bonne journée à tout le monde. Bon, eh bien, la brisée a été choisie. On a une vingtaine de chiens rapprocheurs. Les cavaliers sont à cheval. On va essayer de faire le premier lancer. Et pour suivre cette chasse aujourd'hui, on va se trouver avec Pierrot. Donc on laisse partir les chiens et les cavaliers. On se retrouve juste après, cette fois-ci, en voiture. Ah.
premier temps. Donc le buisson, ce qu'il appelait le buisson, c'est cette partie voilà, de régénérescence. C'est-à-dire, il y a beaucoup de buissons, si tu veux, là-dedans. Donc l'endroit où il les a trouvés, je pense qu'il y a un endroit où il y a des balais, là. Et là, il y a juste, finalement, René et Eric qui et sont Eric et avec... Eric et les deux piqueux. Et les deux piqueux qui voilà. sont... qui sont avec les chiens. Il y a un problème avec toi, que ça parte sur sa face de chasse. Ils sont, là, ils sont dessus, là, quand même. Non ? Il y a un chien qui donne en dessous, là, quand même. Expliquez-nous ce qui se passe. Quand ils ont fait le bois, ils ont été manqués à la sortie. On a perdu du temps là-bas, et puis maintenant, on les reprend là, on va rapprocher, on va suivre. Jusqu'où ça va nous amener, on ne sait pas. Voilà. Et bien, allez, on continue. Allez. Alors, louper la sortie, ça veut dire que lorsqu'ils ont fait le pied ce matin, ils pensaient que les animaux étaient toujours dans l'enceinte parce qu'ils les avaient que rentrant, mais à un autre moment, alors c'est vrai que c'est pas toujours évident à faire tout le tour de l'enceinte, eh bien ils sont sortis et il n'a pas vu les animaux qui repartaient. Donc ça veut dire qu'ils n'étaient plus à l'endroit pile poil où ils pensaient qu'ils allaient être. Et là on continue d'essayer de suivre ces animaux qui sont peut-être remisés à dans deux ou trois parcelles un peu à côté. Quoi. Hop là, biche, fan, oh le saut là, oh là, superbe. Oh. Et là, les chiens, là, il n'y a pas de danger qu'ils partent là-dessus, non, aucun, ni aucun. Sur le chevreuil, non, ni, non, non, ils sont vraiment créancés sangliers. Ouais, ouais. Ce qui se passe là, parce que là nous on est un peu perdu. Ça ne me donne pas que j'en ai perdu. C'est de la faute de Pierrot. Ouais. Là, alors, qu'est-ce qui se passe là? Il a buté là et puis après il prend son compte. Et qu'est-ce qu'on chasse? C'est un petit cochon qui s'en est 80 livres. D'accord. Et ça, là les 80 chiens sont lancés là. Ouais. Bon, ça y est, on a retrouvé la chasse. Bon, bah, apparemment le sanglier avec les deux chiens de tête, il y a la meute qui reste derrière, donc on monte vite fait en voiture. On va essayer de le recouper un peu plus haut. Regardez. Regardez les chiens qui passent. Là, ils viennent passer dans notre dos. C'est-à-dire qu'on est passé là et l'animal nous sort dans le dos. Pierrot, je t'ai dit que t'allais passer vite. T'étais trop vite là. L'animal, il nous passe dans le dos. C'est-à-dire qu'on était super bien placés entre les cavaliers et paf, il nous passe dans le dos. Et là, il y a les chiens qui passent. Allez, on se dépêche parce qu'on va essayer de reprendre la chasse. Ah, oh, superbe. Hop là, c'est bon. Il est passé. Il est passé, il est passé. Viens, vas-y, vas-y. Il est passé, il est passé. Allez, allez, allez. Ben quand même. Allez, allez, allez. Il fait un peu une ruse de cerf. C'est-à-dire qu'il il vient se remettre dans... Ben, il y avait une compagnie, c'est la première compagnie qu'on a vue. Eh bien, il va se remettre à chaque fois dans le fouet. Attention, ça revient, ça revient, ça revient. Allez, venez avec nous. Apparemment, il a pris son parti, il est sorti du roncier. On aurait été jusqu'au bout de la nuit. Malheureusement, on aurait levé les sangliers un petit peu tard. Une belle menée, malgré tout, d'à peu près deux heures. Et puis là, tout le monde est un petit peu fatigué. Il y a Babou qui est en train de rentrer. Eric qui rappelle les chiens.
Là, il a gagné, c'est là-dedans qu'il a gagné, ouais. C'est de revenir à chaque fois faire le change. Il a chassé un peu comme un cerf. Hein. Ouais, ouais. En tous les cas, un grand merci à vous. Ouais. Hein, j'oublie pas Eric et l'ensemble. Tout le plaisir aurait été quand on est une bonne curée, mais tant pis. Eh voilà, bah, ça sera pour une autre fois. Ouais, ouais, hein, ouais, c'est à chaque fois qu'il y a la télé. Hein. Ouais, ouais. C'est toujours pareil. C'est ça. Bon, et puis maintenant, je vous propose de partir cette fois-ci non loin de la forêt de Troncé. On va partir dans la voie du Lièvre avec le rallye sans dessous. Merci. Donc voilà, alors je pense qu'on va partir dans cette direction, faire la bordure du bois et puis on va plutôt aller là-bas. Hein? Bon, et bien c'est parfait. Ça fait 46 ans que le rallye sans dessous perdure et ma foi, on a toujours élevé sur des bonnes origines. Le bon chien sur la bonne chienne et on espère avoir toujours des caractères complémentaires. Je fais exprès d'avoir des chiens hétérogènes. De façon à ce que tous les gens puissent les reconnaître. Parce que s'il est trop homogène, les gens qui suivent la chasse, si on leur demande un détail pendant la chasse, ils ne peuvent pas le donner. Alors que là, tous les chiens sont différents les uns des autres. Et il est parti derrière les chiens. Il est parti derrière les chiens. Il a laissé passer les chiens. Ah mais il a deux. Ah ben il a deux. On a attaqué à 2h moins le quart et les chiens ne lui ont pas laissé le temps de souffler, ils l'ont pris très très vite, c'est un peu dommage que la chasse soit si courte. Mais enfin bon, il a perdu la partie. Les chiens viennent d'en manger 3 de suite, donc le déclic est fait un peu tard en saison, mais maintenant ils ont tout compris, ils ont envie les chiens ils chassent pour prendre, ils ne chassent plus pour chasser. Le but à la vénerie, c'est quand même de prendre. S'il était un lièvre au gîte, on ne le compterait pas. Mais là, il a couru. Hein. Il n'a pas couru longtemps, mais il a couru. Donc, on sonnera une curée ce soir. J'ai repris le nom d'un équipage qui appartenait à mes grands-oncles, qui se sont fait tuer avec AK-14, qui avait un équipage de chasse sous terre, au blaireau. Eh ben, j'ai repris ce nom, le rallye sans dessous. Puis c'est vrai qu'à l'époque, j'en avais pas beaucoup. On est une vingtaine de membres dans l'équipage, en association. Chacun apporte sa cotisation et puis voilà, et ça se passe très bien. On est une équipe très soudée et nous ne chassons que sur invitation. On a beaucoup, beaucoup de chance parce qu'on a des gens charmants qui nous invitent, qui nous prêtent leur territoire. Et hop là, les voilà à travers le labour. Hop, arrêté. Il y a peut-être 7 même. Ouais, 7. C'est un territoire où vraiment la tradition de vénerie est très ancrée. Et puis on a la chance d'avoir le rallye d'Oumans et l'équipage de M. Clébotte. Grâce à eux, on peut quand même avoir au moins 6 chasses de plus dans la saison, ce qui n'est pas négligeable. Il peut très bien te caler là, parce que les chiens montent la voie là, et reculent. Il peut très bien te taper là, dans ce petit buisson. On va laisser les chiens faire. Hein. Il fait quoi? Il revient! Rends-toi! Le lièvre, c'est un bon apprentissage pour la vénerie en général. Il faut être très patient pour pouvoir travailler les défauts correctement. Quand tu t'imagines la différence au sol,
qu'un animal peut marquer entre une patte de cerf et une patte de lièvre, il y a quand même beaucoup, 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 beaucoup de différences. Le lièvre, ça se limite à ses griffes. Quand tu observes des chiens qui chassent un cerf ou qui chassent un lièvre, la différence du nez est flagrante. Parce que le chien de lièvre est obligé d'avoir le nez assez près du sol, que le chien de cerf, il peut se permettre de lever un peu le nez. Il aura toujours assez de sentiments pour pouvoir le chasser. Le lièvre, c'est très fin. On va récompenser les chiens maintenant, on va leur faire faire la curée. Aujourd'hui, les chiens ont été très appliqués et ils ont très bien chassé, mais bon, le lièvre, il avait de l'avance. Il doit sûrement être tapé quelque part, mais on ne l'a pas pris. C'est où là? Ça s'appelle comment? C'est le Rondeau-Bré. Le Rondeau-Bré. C'est bon. On a la laisse, hein. Le chien arrive. Alors c'est le trait, hein. C'est pas un canichenin qu'on promène, hein. C'est un chien de vénerie, donc ça s'appelle un trait, ça ne s'appelle pas une laisse. Merci Antoine, merci de me rappeler. Alors Antoine, on est ce matin, on est là pour aller faire le bois. Oui, c'est-à-dire qu'on est parti. Oui, on fait le bois, en vénerie on fait le bois. C'est quoi faire le bois? C'est partir assez tôt le matin, il est 8h30 là, pour 8h15, pour aller repérer les mouvements des animaux dans la nuit. Et essayer de les rembucher. Alors rembucher, c'est imaginer qu'un cerf est dans une enceinte qu'on entoure et que le cerf y est resté. Donc ça veut dire qu'à un moment, on a son pied, on a connaissance du cerf, son pied rentrant dans une enceinte et on ne l'a pas ressortant. Ça, c'est la théorie quand tout va bien. Souvent, ce n'est pas si clair que ça parce que ce n'est jamais une science exacte. Mais on est quand même à des heures, 8h30, il ne bouge plus trop à partir de là. Voilà notre chien. Attends. Hop. Donc c'est Jupiter, c'est le chien que je prends à chaque fois. On dit qu'on met son chien pour le bois. Hein. Alors tu vois, il est très sérieux. C'est un chien qui est très très sérieux parce que du début comme ça, il commence à quêter. Et puis alors il lève pas le nez tout le temps, il cherche. Alors c'est quoi les qualités d'un bon limier? Alors c'est l'application, tu vois, il est extrêmement appliqué. Ça c'est la première qualité. Après, bah, c'est celle que je n'ai pas su lui donner, c'est d'être un peu moins enthousiaste qu'il est. Et puis après, c'est moins la qualité du limier que la qualité du valet de limier, en l'espèce moi. C'est-à-dire qu'il faut aussi savoir interpréter ses comportements. Et d'un chien à l'autre, ce n'est pas pareil. Tu vois, ça c'est une biche. Donc ça, c'est une biche. Ça c'est une biche. C'est une biche, ça. Et comment tu vois ça? La biche, c'est plus un petit pied pointu, alors que le cerf, c'est un pied plus large. Et alors? Alors, je ne vais pas surinterpréter, mais comme à cette époque les biches sont pleines, les postérieures, elles les posent à l'extérieur des antérieures. Donc là, tu vois, ça c'est le postérieur. Il est posé un peu à l'extérieur, tu vois, et l'antérieur, il est là. D'accord. Et lui, en aucun cas, il va donner de la voix si... Ah non, ça, non. C'est, mais tu as raison. Au bois, il reste parfaitement silencieux. Ben, on ne voit pas grand-chose. Hein. Non. Bon, ben, nous, on va finir notre petit tour. Et puis on se retrouve tout à l'heure, cette fois-ci, pour le tri des chiens. Et ici, au niveau du rallye Le Mans, quelle race de chiens vous avez? Du français tricolore. Ils veulent tous y aller, les chiens. Surtout des chiens voilà, qui chassent déjà en priorité et puis qui soient gorgés, quoi. Que qu'on puisse aussi les entendre aussi à la chasse. Parce que des chiens qui partent sans rien dire, non. Oui, oui, c'est moi. Je prends un cerf. Oh! Il y a à peu près combien de chiens au chenil? On a 130. Et avec quels les sont les anciens et puis les jeunes? 130. Et à chaque fois, c'est une quarantaine de chiens que vous prenez à avec vous? À peu près, oui, 40, 45, ça dépend quand il y a des jeunes. Et puis voilà, donc on est autour de 40-45. Ouais. On va vous demander de vous reculer un petit peu, s'il vous plaît. Et on va demander aux gens en tenue de se mettre devant. Ah bah nos invités de marque. Allez, c'est parti.
Antoine. J'ai fait le haut des carrières. Madame, bonjour. J'ai un fer qui sort du pendu qui rentre à Catarito. Bon, moi, j'ai pris ensuite à ma gauche la ligne de Bourgard. Madame, monsieur, bonjour. Moi, monsieur, comme quête, j'avais le pré du garde. Donc je suis parti du rond de Bourgard sans autre connaissance. Et moi, ils n'ont envoyé personne. On va faire mi-Fredo, mi-Gérard. Puis si par malheur, bon, on pourrait toujours aller fouler là où vous avez envoyé personne au bois, hein, monsieur Gallon. Ça nous fait vraiment plaisir de revenir après la biche qui court toujours. Oui, la biche court, absolument. Elle court toujours. Absolument, donc, tout à fait. Tout va bien. Tout va bien. C'est pas simple, mais on fait avec. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc aujourd'hui, on va suivre le rallye Le Mans, oui. Ici en forêt de Troncée. Je vais vous demander quand même de nous refaire quelques rappels concernant l'équipage. Alors, il y a combien de boutons, par exemple? On est entre 60 et 80 membres dans l'équipage, donc on est quand même assez nombreux. C'est un équipage qui a été créé en 1960 par mon père, qui chassait d'abord le sanglier pendant 7 ans. Et c'est pour ça que d'ailleurs, vous voyez, le bouton est un sanglier, parce qu'à la base, on chassait le sanglier. Et en fait, c'est en 67 qu'on s'est mis à chasser le cerf. Mon père a pu prendre j'allais à la forêt au cerf. Et donc, depuis 67, on chasse le cerf. Et c'est facile de manager tous ces hommes? Oui, oui, très, très. Ils obéissent? Très. Ah bah, heureusement. Regardez ça, le maître d'équipage avec son piqueux, les chiens au milieu, le second derrière, ça fait quand même partie des belles images de la vénerie. Allez, ça y est, là, l'équipage vient de rentrer sur la brisée. Alors, je pense qu'ils sont à peu près une trentaine de cavaliers aujourd'hui, alors qu'au sanglier, ils étaient quoi, une bonne dizaine, quoi. Donc ça risque de... Et puis voilà les vélos qui suivent derrière. Là, il y a biche et puis fan. Là, il n'y avait pas de cerf. Vous avez vu comme quoi ça n'avait pas été... Faut reculer, Edouard. Hein. On va reculer, on va repartir. Ça allait vite, là. Mais c'est pas ce qu'on cherche. Pas de bol, hein. Biche, Michel. C'est à votre droite, à vous. Hein. On peut pas. C'est par là que ça se passe, apparemment. Regarde les voiles, ils arrivent. Bouge pas. Ils vont passer juste là. Ils vont passer. Ils vont arriver. Bouge pas. Ils traversent. Ils vont traverser. Il y a un cerf. Il y a un petit cerf. Il y a des mulets. Regardez. Voilà. Là, il y a un petit cerf à tête. Je pense qu'il y a des mulets aussi. Alors, les mulets, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les cerfs, on est au mois de mars, qui ont perdu leur bois. Donc là, on a une harde de cerfs essentiellement. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Là, je sais pas. Là. Pour l'instant, on va attendre, parce que les animaux prennent la direction. De toute façon, David est en train de fouler dans cette enceinte-là. D'accord. Donc on va attendre, les animaux rentrent dans cette enceinte. Donc, ils vont peut-être tomber dessus. Hein. Bon, eh bien là, il y a le maître d'équipage qui arrive, Pascal et puis David et les chiens. Donc on va leur signaler que, justement, on a vu les animaux passer juste là. Il y a un petit cerf à tête. Regardez les chiens, regardez-les. Allez, mes gars, au fond, mes gars, au fond. Écoutez, poussez ça. Là, voilà. Magnifique. Là, c'est super. Là, on a l'attaque. Vous avez vu les chiens, aussitôt. Maintenant, c'est à eux de faire le tri, ce qu'on appelle faire le tri, et de choisir leur cerf. Ça se passe plutôt bien. Il y a un mulet de sortie, explique-nous. Deux même. Sur la harde qu'on a vue tout à l'heure, là, qui est passé à côté de nous, là, avec les mulets et puis le petit cerf à tête. Là, il y a déjà deux mulets qui sont sortis de la harde, qui sont gardés. Donc là, et la harde vient de passer en bas, là, et apparemment, le petit cerf à tête est toujours dedans. D'accord. Donc Dagui lui a arrêté les 20 chiens qui étaient partis sur le mulet, alors qu'Antoine, lui, continuait. Antoine, c'est le second. Lui, il a continué de chasser la harde avec ce petit troisième tête. Donc pour l'instant, tout se passe plutôt bien, quoi. Hop là, il sort là-bas, devant les voitures. Hop, attends, c'est un cerf, ça. Ça, c'est un cerf. L'animal est passé juste là, sur le goudron. Il faut tout prendre en considération, parce que là, vous voyez, on est pratiquement sur une départementale. Donc là, il faut protéger les chiens, quoi. Et c'est aussi ça, le rôle du bouton en voiture, c'est aussi de protéger.
On sait ce que c'est comme animal? L'animal seul? Non. Ah bah l'animal seul, il y a toute la meute qui passe, hein, il y a tout le paquet de chiens. Hein. Ça restait que ces 5-6 chiens qui étaient sur la petite heure derrière. Et nous on attend après. Là. Ils vont traverser, c'est le premier. C'est un cerf à tête, le premier. Regardez ça, dague et fourchu. Et là, il y a les biches. Biche, 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 biche. Biche, biche. Apparemment, c'est pas la chasse. Il hein. Y a rien de sérieux. Il y a des animaux debout et les chiens qui n'arrivent pas à se décider, savoir ce qu'il faut qu'ils chassent. Alors que tout à l'heure, Daguet, lui, il a arrêté une vingtaine de chiens qui chassaient un mulet. C'est-à-dire qu'on évite de chasser quand même les mulets. Bah, on essaye de ne pas chasser un mulet, mais au jour d'aujourd'hui, là, si les 40 chiens se mettent à chasser un mulet, c'est pas moi qui vais dire d'arrêter. Parce qu'il y a un moment où on ne peut plus foyer sur un... Un mulet, c'est un cerf. Hein. Et les chiens, boit ou pas boit, ils savent pas, ils font pas la différence. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est surtout arriver à forger une chasse avant qu'il soit 4h de l'après-midi. Or, il est déjà 2h15, donc il reste environ 4h30 de jour. Donc si on joue la montre et si on veut pas que les chiens s'épuisent, il faudrait surtout chasser ce que les chiens ont envie de chasser, ont envie de chasser tous ensemble. Ce serait plutôt ça le problème aujourd'hui. Ça c'est pas la même chose. Oh là 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 là, Tayo est là, Tayo, mais... Alors là, je peux vous dire un truc, c'est que là, Tayo, c'est pas les mêmes que tout à l'heure, et je pense pas qu'il y ait le cerf. Ça, c'est vraiment une ruse du cerf, et ce daguet fourchu, justement, et les biches avec laquelle il était, ont été se perdre avec cette herde de biches pour essayer de perdre justement les chiens. Et ça, c'est vraiment une des ruses du cerf. Mais apparemment, les chiens sont restés sur le daguet. Donc... ça se passe plutôt pas mal. Là, on peut dire qu'ils sont en défaut ou pas? Ah oui. Est-ce qu'il y a des chiens qui vont quand même aller faire les devants d'eux-mêmes? Bah, c'est surtout que si. Ça peut se barrer parce que ça peut, il peut percer. Enfin, ils n'en veulent pas, ils n'en veulent pas. Ils en veulent pas, vraiment. Je pense que le cerf vient probablement là. Il faut qu'ils aillent faire le devant au-dessus des cabottes, là, enfin, au-dessus de chez Madame Beau, dis-leur de ma part. Parce que les chiens n'en veulent pas, mais le daguet, il a pu prendre Madame Beau et monter, et percer. Il faut qu'ils fassent les devants. Vous faites entendre, quand même. Bah, non, mais je donne une idée, après, ils savent. Il faut mieux quand même qu'ils apprennent. Bon, je ne suis pas d'accord avec le patron, je vais lui dire. Il a dit, tu fais comme tu veux, mais... Dans la carrière, à un moment, oui. Il ne chassait pas bien. Donc ça s'arrête. On repart avec les chiens qui se rabattent sur une voie. C'est à nouveau les biches et le daguet fourchu. Oui. On repasse la route. Il laisse aller le daguet fourchu, il chasse les biches. Ils veulent pas de ce daguet fourchu. Et tu veux faire quoi? Aller au mulet. Mais non! Ben si. Mais si tu... Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Ils ne chassent pas. Mais non, mais non, mais si, le... Je suis pas d'accord avec toi. Enfin, peut-être qu'ils chassaient les biches, mais ils chassaient aussi le daguet. Depuis le début. Tu ne vas pas le retrouver, le mulet. Il est barré à la croix mille épiciers avec 6 chiens qu'on a fait arrêter. Moi, je serais tenté au moins de faire les devants au-delà de la maison de Madame Beau, s'il a débuché par la maison de Madame Beau et qu'il monte vers le plateau des cabottes. Vous n'allez pas le retrouver, le mulet. Hein. Il est barré et les chiens sont arrêtés. Moi, je compte 37 chiens. Quand on arrive là, Tarzan nous dit qu'il voit le cerf et qu'il n'y a pas de chien de passer. Ah, bon. 37, 38. Donc probablement que le chien de tête a dû mettre bas. Le jour où vous apprendrez au rallye Lomance qu'on commence par faire les devants avant de faire les arrières, on manquera moins de cerfs. Expliquez-nous en termes de vénerie ce que c'est que les arrières et les avant. Parce qu'on n'est pas au rugby. Vous avez une enceinte qui est comme ça. Mettons. Oui.
Votre cerf, il rentre dans l'enceinte comme ça, hein, dans cette direction-là. Oui. Voilà. Et puis, vous le perdez là-dedans. Vous savez plus où il est, les chiens cassent. Vous savez plus où il est. On dit toujours qu'en vénerie, en règle générale, on fait d'abord les grandes vents. Alors, ça veut dire qu'on va faire quoi, les grandes vents ? C'est-à-dire qu'on va fermer comme ça, toute l'enceinte, devant. En fermant l'enceinte, si le cerf est parti par là, par là, par là, par là, par là ou par là, obligatoirement, les chiens vont croiser la voie. D'accord. En revanche, si vous ne l'avez pas devant, vous avez tout le temps de reculer après là où ça casse et de tournicoter derrière pour voir où vous pouvez le laisser, où est-ce qu'il a rusé. C'est-à-dire que là, ce qu'il faut faire, c'est qu'avec les chiens, on fasse un grand tour devant pour retrouver une éventuelle voie qui sort. Et là, c'est ce qu'il a fait. Allez, dépêchez-vous. Allez à la ligne à Macaire. Vite, dépêchez-vous. Ah là, on vient encore de revoir le cerf, il est encore un petit peu d'avance, la nuit est en train d'arriver. On aura une belle chasse, avec quelques difficultés pour débuter cette chasse, mais c'est ça aussi un peu la chasse. Oui, non, la il a été malin, hein. Il a été malin, et puis nous peut-être pas très bons, donc voilà. Ça plus ça, c'est comme ça. En tous les cas, Pascal, merci de nous avoir laissé vous accompagner. C'est une joie, c'est un bonheur. Pour cette journée de chasse, je vais remercier aussi le rallye sans le sou, le Vautrey de Banassa. Merci aussi à vous de nous rester fidèles chaque semaine. Il est temps pour nous de quitter l'univers de la vénerie, de se retrouver la semaine prochaine, vendredi soir à 19h30, pour faire de nouvelles rencontres et découvrir de nouveaux territoires. À la semaine prochaine. Dommage. Ouais. Il manquait pas grand-chose. Pas grand-chose. Si on avait une heure de plus, on... Voilà.